Je suis Jean-Yves, cofondateur de Capital Koala. J'ai créé avec Alexandre, mon associé, Koala il y a 2 ans et demi maintenant. Et puis avant, j'avais fait pas mal de choses assez différentes. J'avais beaucoup bossé avec les enfants, d'où, on en parlera plus tard, l'idée de se lancer sur Capital Koala et l'épargne enfant. J'étais animateur de colo, directeur de colo, j'ai beaucoup bossé là-dedans dans la pédagogie. En fait, pour moi, entrepreneur, c'est pas prendre un risque. C'est un peu l'inverse. C'est presque jouer la sécurité. La sécurité émotionnelle et sociale. Parce que, en fait, on prend un risque en rentrant dans une boîte et puis en y passant 20 ans de sa vie. Et puis on se retourne, on a tellement d'histoires comme ça autour de nous où les gens ils se retournent à un moment, puis en fait ils n'ont rien fait. Donc la prise de risque, elle est là, c'est de pas trop bouger. Quand on devient entrepreneur, bah, oui, le risque il est éventuellement financier, mais dans une carrière ça se revendra toujours si on a commencé jeune. Voilà, on a créé sa propre boîte à 25, 30 ans, même 35, 40 ans. Ça se revendra toujours des gens qui ont l'envie, qui ont l'énergie. Évidemment, c'est pas au premier échec qu'il faut s'arrêter. Nous, avec Koala, on en a connu pas mal au départ. Bah, tous ces partenariats qu'on signe là, maintenant c'est fait, ça a l'air facile, mais on s'est pris quelques claques dans la tête parfois. Et puis même les choses qui semblaient bien se passer, parfois se sont pas très bien passées. Grande question, l'entrepreneuriat en France. Ben moi j'ai l'impression que ça va super bien. Je trouve qu'il se passe plein de choses. On entend parfois dire que c'est compliqué en France de faire les choses et tout. Ben moi je trouve pas, je trouve qu'il y a beaucoup d'aide. Et puis surtout il y a une lame de fond, on le sent, même pas que à Paris, en plus c'est fantastique. On a été contacté par plein de gens en province. Il y a des gens, il y a des apéros entrepreneurs qui se créent, il y a plein de gens qui échangent, il y a des blogs, il y a des sites. Come on guys.